Merci beaucoup. Je prends la parole au nom de mes confrères ici présents qui ont bataillé dur l'audience précédente et aujourd'hui nous avons récolté les fruits parce que toutes les exceptions, les nullités qui avaient été soulevées par la défense ont été rejetées et les débats ont continué au fond. Le prévenu, tant bien que mal, il a reconnu et nié certains passages. Mais ce qui nous réconforte, il a reconnu lui-même avoir injurié et le président et la famille biologique du président. En ce qui concerne le président, il a désisté purement et simplement de son action, donc on n'en parle plus. En ce qui concerne sa famille biologique, vous avez vu comment la salle était remplie de ses parents, de ses frères et sœurs. Alors nous continuerons à nous battre pour laver leur honneur qui a été sué par les injures, les grossièretés. En fin de compte, vous avez constaté que Mme Fatlinié, lui, continue à se cacher. Bon, c'est ce qui est vraiment surprenant, parce que la bravoure qu'on reconnaissait en cette dame-là s'est sortie sur les réseaux sociaux, ne pouvait pas faire croire à un Guinéen qu'à la moindre incartade, elle allait prendre la poudre de l'escampette, elle allait se cacher. On pensait qu'elle est tellement brave et qu'elle allait se présenter pour en découdre avec des charges qui pèsent contre elle. Mais depuis 2 ou 3 semaines, elle vit dans la clandestine. C'est déjà une prison, elle vit dans la cachette. C'est déjà une sanction pénale. Mais aujourd'hui, en application de l'article 479, le collectif des avocats ici présents, chargés de défendre la famille du président Dallaire, ont sollicité le mandat d'amener contre Mme Fatlinié pour l'obliger à être présente à l'audience prochaine. Donc le tribunal nous a suivis, le tribunal a suivi le parquet et un mandat d'amener a été décerné contre Mme Fatlinié Diallo. Et l'affaire renvoyée au 14 février 2022 pour la suite de la procédure. Nous avons des preuves sur support vidéo que nous ferons projeter ces jours-là pour mieux édifier le tribunal. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que M. Ousmanié lui-même a répondu à une des questions de M. le procureur qui le regrette. Mais c'est un regret tardif. La loi va s'appliquer, elle s'appliquera, je vous remercie. Oui, bonjour madame. Aujourd'hui, c'était le procès de Fatou et son frère oui. Contre la famille de Sédou Dallaire Diallo, ses oui. Soeurs et compères. Oui. Qu'est-ce qu'on peut tirer dans ce procès? Bon, moi nous d'abord, c'est avec regret que nous avons constaté que le juge a rejeté nos descriptions. Parce que quand vous voyez la même plainte, les injures proférées, pour reprocher à la plainte de Elaz Mamresselu Dallaire à Dixine. Et ses frères et sœurs portent pour les mêmes faits à Kalou. Je crois qu'on est en train de se moquer de nous parce qu'on ne peut pas poursuivre les mêmes faits deux fois devant deux juridictions. Et il y a un problème de qualité juridique. Qu'est-ce qui prouve que ses frères et sœurs-là, au nombre de 5, ont été victimes des propos déplacés de Dame Fatou et de Ousmane Niolé. Donc au sens c'est là. Mais on est en train de voir au fond, et on ne va pas se départir de l'aspect technique, parce que pour qu'on parle de diffamation, injure, il faut que les faits soient imputés à une personne. Si c'est imputé à Elaz Mamresselu, je ne crois pas que, conformément à la loi, ses frères et sœurs vont venir. Parce que même s'il y a l'intérêt doit être légitime, il y a un problème de qualité juridique pour pouvoir revendiquer. Et sans mandat d'Elaz Mamresselu, je crois au moins opportun, ses frères et sœurs n'ont aucune qualité juridique de revendiquer. C'est en cela l'essentiel. Le mandat d'amener contre votre cliente. Bon, le mandat d'amener, ça c'est. Il y a déjà un mandat à Dixine. Ils sont incapables d'exécuter le mandat d'amener. Un mandat, quand on fait deux, on appelle ça l'acharnement. Quand vous voyez l'article 235 du code de procédure, il n'y a pas de détention préventive quand la peine ne dépasse pas. La peine ne dépasse pas 3 ans de prison. Pourquoi décerner le mandat? Et ça ne peut pas faire l'exception, parce qu'en matière de diffamation, c'est 3 mois, 6 mois. Trop, c'est 1 an.
si on discerne le mandat, la peine ne passe pas, c'est une violation de la loi. Mais pourquoi votre cliente ne comparaît pas? Parce que sa sécurité n'est pas rassurée. Et d'ailleurs, à partir du moment où elle va se présenter, s'il y a un mandat, on viendra l'attendre à la porte. Et je ne vais pas l'accompagner quand même à l'abattoir. Et d'ailleurs, elle aussi, elle va vous répondre de sa position réelle. Parce qu'ils n'ont qu'à tenter à exécuter le mandat. Mais je crois que ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis avocat. Je ne fais n'importe que mon assistant en matière pénale. Voilà. Merci, merci. Je vous en prie.